Je suis professeur émérite de neurologie à l'université de Poitiers. Ma vie professionnelle a été celle d'un hospitalo-universitaire au CHU de Poitiers, partagé entre les soins aux malades, l'enseignement de la médecine et une activité de recherche essentiellement tournée vers la neuropsychologie, c'est-à-dire l'observation et l'étude du comportement de l'être humain, la manière dont l'être humain utilise ses outils d'humanisation fournis par son cerveau pour percevoir le monde, pour parler, pour agir dans le monde, pour vivre et ressentir des émotions, pour vivre ses relations avec autrui. Très tôt aussi, je me suis intéressé à la bioéthique qui tient en une grande question. Que faut-il faire pour bien faire? Voilà pourquoi je me suis beaucoup intéressé à la vulnérabilité humaine, au vieillissement, à la maladie d'Alzheimer. Je dirige depuis plusieurs années le site de Poitiers de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. Pendant la pandémie, comme les autres espaces éthiques, nous avons créé une cellule de soutien éthique, puis une cellule d'écoute et de dialogue éthique. Il fallait écouter les difficultés et les souffrances des soignants, des familles, des directions des EHPAD et des résidents. On a vu pendant la pandémie la suppression des visites, puis leur autorisation lente dans un encadrement mutilant, avec un masque, avec la distanciation sociale, parfois matérialisée par une barrière de plexiglas. Les visites ont été courtes, espacées, dans des lieux vidés de toute intimité. On a vu alors surgir chez les personnes âgées, pour les unes, un sentiment d'abandon, chez les autres, un sentiment de culpabilité. Chez les unes et chez les autres, des souffrances dont l'intensité a généré révolte, ressentiment des familles, et chez les personnes âgées, résignation, tristesse, chagrin, allant jusqu'à l'extinction du désir même de vivre. Il nous est apparu alors que les visites n'étaient pas une simple distraction, ni la manifestation rationnelle d'une liberté. Elles avaient un sens plus profond qui impliquait le besoin de l'être humain de rencontrer ses proches, de se sentir unis à eux, et ce, de manière d'autant plus vive que l'on avance en âge, que l'on se sent vulnérable. Cet ouvrage propose ainsi une redécouverte du sens éthique et anthropologique de la visite comme manifestation privilégiée de la sociabilité humaine. Pour redécouvrir le sens de la visite, l'ouvrage a puisé à plusieurs sources. Il s'agit d'abord du devoir de visite aux malades, aux personnes âgées, qui rassemble depuis la nuit des temps toutes les cultures humaines, toutes les croyances, tous les courants religieux. Une deuxième source puise dans les témoignages de la littérature qui montrent la manière dont les visites construisent et font vivre les relations humaines. L'ouvrage invite ainsi à une redécouverte culturelle des témoignages que l'on peut lire de Balzac à Camus, de Platon à Montaigne, de Tolstoï à Houellebecq. Visite et piété filiale, visite aux proches, notamment âgés ou malades, aux personnes isolées, visite de fin de vie, visite des défunts et de leur famille. Les visites apparaissent alors comme des besoins fondamentaux, certes variables d'une personne à l'autre, mais qui, s'ils sont insatisfaits, génèrent, au-delà d'un certain seuil, des souffrances pénibles, aliénantes, donc déshumanisantes. L'ouvrage aborde enfin les fondements neuropsychologiques et éthiques de la relation au visage qui est au cœur de la rencontre permise par la visite. Et c'est alors que cette redécouverte du sens de la visite permet de tirer pour l'avenir les leçons de la pandémie. Les mesures sanitaires ne peuvent pas abolir la prise en compte des besoins fondamentaux des êtres humains. Ces mesures sanitaires doivent appeler à des compromis et être attentives à ne pas franchir un seuil de déshumanisation
certes variable d'une personne à l'autre, car le franchissement de ce seuil est source de grandes souffrances. Il ne faudra plus oublier que la visite manifeste la sociabilité coextensive à l'humanité et qu'elle est porteuse de significations structurantes dans l'histoire identitaire de chaque être humain qui ne devrait plus faire l'objet d'un enfermement biologique. L'expérience pandémique issue des visites et de la relation au visage illustre ce besoin éthique lancinant d'autres lendemains plus attentifs à une vision intégrative des êtres humains dans ses dimensions biologiques, psychologiques, sociales, spirituelles. Cet ouvrage, qui est un traité humaniste sur la visite, s'adresse certes à tous les professionnels de santé et du secteur médico-social, mais il s'adresse aussi au grand public, à tous les publics. Dans un monde de plus en plus concerné par le vieillissement, par les relations avec les proches, parents ou amis, avançant en âge et par le surcroît d'humanisation porté par les relations intergénérationnelles.